En France, 900 000 personnes âgées souffrent d'isolement. Une association a décidé qu'elles aussi avaient droit à de jolis courriers. Dans cette EHPAD, les résidents reçoivent chaque mois des lettres de jeunes inconnus. Enchanté. Moi, c'est Louis. J'ai une lettre, du coup, pour toi. Très cher monsieur, j'ignore totalement à qui j'envoie cette lettre. À vrai dire, j'ignore tout de vous. Votre nom, votre prénom. J'ignore même l'endroit où vous vous trouverez lorsque vous lirez ces quelques lignes. Tu vas sur une lettre à sourire, tu tapes ta lettre et elle parvient au résident d'EHPAD. Parfois, les jeunes vous parlent de leur quotidien. J'ai regardé un film ou la dernière série sur Netflix, je sais pas si vous l'avez vu. Et du coup, ils se disent, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu fais quand t'as 80 ans? Pour certains, c'est la compensation d'une famille qui vient pas ou d'une famille qui est plus là. Coucou cher monsieur, je vous écris aujourd'hui pour vous donner du bon. Je m'appelle Léo, j'ai 14 ans. Je m'appelle Agathe, je suis une fille banale de 17 ans, enfin 16. J'aime bien faire de la cuisine, des balades, surtout quand il fait beau en ville. J'espère qu'un jour vous me répondrez. Bah c'est écrit gentiment quoi, si on veut, qu'amour et puis ça paraît pas mais ça fait beaucoup pour moi. Donc là c'est les lettres que vous avez reçues. Exactement, oui. C'est la première fois que j'ai du courrier chez moi. Je les garde. Si j'ai un coup de cafard, je vais toujours en ouvrir une. Ça fait plaisir.